Hello tout le monde, salut les bananes. Cette nuit ça s'est calmé. Ça a soufflé 12-13 nœuds de vent. La mer était un peu bouillon parce que le vent a tourné plus sud-est qu'est, donc ça a fait une petite houle croisée. Mais ça a été. On a navigué toute la nuit sous Genec et Foc en ciseaux. Et ce matin, pour la première fois depuis qu'on a quitté la Namibie, hormis Sainte-Hélène, nous croisons un cargo à 800 mètres des côtes du continent américain. Il passe au large là-bas, on le verra pas, il va passer à 12 000. Mais par là-bas, ça fait quelque chose, ça fait un petit truc de savoir qu'il y a quelqu'un sur l'eau avec nous là depuis presque. Comment ça va faire ça? Ça va faire 17 jours, 16-17 jours que nous sommes en mer avec le stop de Sainte-Hélène. Donc voilà, la mer est un peu formée, mais la houle est longue, donc ça gêne pas du tout. Blacky est très très confortable. Bonjour ma jacouille. Bonjour, c'est le poisson ballon. Je suis en train de faire une pizza au capitaine. Mais moi je ne voudrais pas parce que je suis un poisson ballon. Elle fait la gueule, c'est vrai, t'as la jacouille. Elle fait la gueule parce qu'hier elle m'a demandé si elle avait grossi. Et moi j'aime bien être honnête, moi j'ai grossi. Hein. Et je lui dis bah oui, tu as grossi. Et regardez bien la tête qu'elle a fait comme ça. Quand je lui dis ça, elle fait. Quoi? Mais tu es vraiment méchant. Non, c'est pas ça en fait. Quand ils me le disent une fois, ok, j'ai compris. Mais cette fois, c'est que maintenant, ils s'amusent avec. Ils n'arrêtent pas de me traiter de poisson ballon, de pipa d'or. C'est même pas mon style, c'est même pas vrai. Allez, venez, banane, on va faire un peu de sport. Parce que là, les gens sont un peu engourdis. Et ça, c'est comme l'avantage du kata. Hein. C'est qu'on peut se promener tranquillement sur le bateau, faire une petite promenade en disant, vous voyez, on passe le voisin. Bonjour voisin, ça va bien? Comment vont vos pétunias? Ça va aussi? Bon, bah tant mieux. On va là-bas, on va à l'arrière et on revient. On revient, on marche et ça fait du bien. Oh là, ça fait du bien. Je pense voir les jambes engourdies. On va aller voir un petit poisson lune. Allez-y, banane. Poisson lune, poisson lune. Mola, 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 mola. 141,3 000. On a tenu quasiment 6 nœuds de moyenne. Au pourtant, c'est vachement bien. Hein. Bravo, bravo mon Blacky. Ça serait bien de faire ça jusqu'au bout. Hein. Ah génial! Ça nous a sorti de notre somnolence là. La canne vient de partir. Ça a l'air d'être un gros, hein? Ça choupi. Purée, il est en train de se dérouler. C'est mal barré. Hein. Ouais, ben là on peut faire de la guitare sur le moulinet. Tellement c'est. Il doit être énorme. Hein. Bah ça y est, il a lâché. Ah bah voilà. Coupé net. Excusez-moi, on va aller voir mon citronnier. On l'a oublié. Ça fait quoi, 8 jours qu'il est dans la salle de bain? Ouais, il est pas mal. Il se sent bien ici. Hein. C'est officiel. La jacouille est au régime. Bah ouais, le poisson ballon, il s'est tout. Poisson lune. Elle a pas aimé. Hein. Elle a pas aimé les bananes, moi je vous le dis. Hein. Fallait pas me poser la question. Hein. Fallait pas me poser la question. Hein. Après, on est bien comme on est. Hein. Oui. C'était pas bien à tout. Tu as posé la question, tu t'attendais à quoi? Tu t'appelles Miss Monde? Bon. On vient de passer quelques heures là dans un échange de vagues croisées. Pas très agréable. Pas très agréable, on a que le Genecker et le Foc, mais on aurait eu la grand voile, ça aurait tapé, voilà, c'était sûr et certain. Et là, c'est redevenu à peu près normal. Alors, quelles sont les raisons? Courant, je pense, mélange de courant. Ou peut-être des fois ben, un gros grain qui serait passé au large qui apporterait une houle désordonnée quoi et qui arriverait. Là c'est mieux hein, quand même, hein. C'est carrément mieux. Et ça faisait vachement de bruit. Hein. Donc on est à 5 jours de l'arrivée je pense. Officiellement on va dire 5. Putain, je vais dire un truc officiel, on dit que c'est pas sûr. Et voilà comment faire une élection. Voilà comment faire une élection présidentielle. Merci Jacouille. J'ai dit 5 jours, bon notez les bananes, nous sommes le tel jour, dans 5 jours au soir on sera arrivé. Ah ouais celle-là. C'est ça je pense. Bah j'espère. Là je pense. Alors là j'ai pris elle est fatiguée, t'en as marre un peu. Non mais aussi D'accord, bon, ok. Bon ben, toi tu bois ton jus de citron, et moi aussi, avec le petit thé. Et puis ça se couvre un peu noir dans les nuages, à surveiller. Est-ce qu'il y avoir des grains cette nuit? On a vu un premier carpeau. Ça je l'ai déjà dit ce matin. Et puis le poisson, là, je sais pas, je pense que c'est un requin. Parce que c'était gros, c'est un peu cassé.
s'est encore cassé. Demain, je retente. C'est avec mon leurre Colgate en plus. Mais il faut qu'on investisse dans une bonne canne à pêche. Ouais. Quand on aura un petit. Bon, bah allez, l'aventure continue. Ciao. Avec Jacques et la pépouille, on mangera pas que des nouilles, mais une super pizza au chorizo. La ratatouille pour moi. Parce que le poisson ballon, il doit faire ses jus. Poisson lune. Un plomb, un chien, un chat. Ça y est, Choupi s'est mis en mode avion. Ah, j'ai super bien dormi moi cette nuit-là. Ah oui, je me suis mis en mode avion et du coup ben, on a dormi comme des cochons. Ben, et... Voilà. Ouais, ben voilà. Voilà. Tu vois, t'as la connerie. Et on a été bercé par la houle en plus. C'est pas grave cette nuit. Ouais, une houle très très longue et tout, ça nous a. Mais on a dormi, mais vraiment. Bah surtout toi. Je me suis réveillé quand même pour survivre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et peut-être qu'on s'habitue aussi à la chaleur, hein. Et comme il fait chaud et tout. Non, il a fait moins chaud. Il a fait moins chaud, j'ai un peu con aussi. Ouais. Donc on arrive à peu près dans 4-5 jours. Voilà, comme hier. Comme hier, comme aventure aussi. Voilà. Mais on fait avec, hein. Ouais. On se supporte mutuellement. Allez, un petit bisou. Alors on est toujours, ça fait 5-6 jours, on n'a pas bougé de voile. Peut-être qu'aujourd'hui on va changer les pannes de sens. On va mettre le générateur de ce côté, le foc de l'autre, ça nous permet de partir un peu plus à bâbord. Ouais, ça va nous faire bouger un peu quoi. Ouais, ça va nous faire un peu de sport. Tu bouges pas beaucoup. Il y a eu 7000 les bananes. 7000. 7000, 133,8 en 24 heures. Vous trouvez pas qu'elle a maigri la jacouille ? Hein ? Il y a moins de joues là. Hein ? Elle mange de la carotte en ce moment. Il est chiant. Body, les bananes. Ouais, faut bouger un peu là. Hein, parce que... Un petit peu de sport tous les jours. Ça fait combien de jours qu'on en mer là ? Ça fait pas mal. Hein. Ça fait pas mal, merci. Ça fait 18 jours. 18. Il venait d'avoir 18 ans. Il était belle comme un. Je sais pas quoi, il était belle. Allez, encore 4-5 jours là. Ça me marre, hein? Hein? Ça me marre. Non. Un petit peu. Non, mais de toute façon, on va pas rester longtemps en Brésil parce que c'est fermé alors. Alors, pas la peine de. On a des copains qui vont direct aux Antilles, 5000 milles. 5000 milles? Bah, c'est presque ce qu'on va faire. Hein. Ça fait 2-3 jours, on va faire l'avitaillement, on va repartir. Ouais, mais si ils sont pas arrêtés avec le CLS, on va prendre la fini. 5000, ça fait beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup, quoi. La Jacou vient de voir ce bateau, je ne l'ai pas sur l'AIS et pour l'instant je ne l'ai pas sur le radar. Après j'ai pas l'alarme de garde sur l'arrière de Blackie. Mais je croyais que l'AIS était encore obligatoire et j'ai rien. On a notre petite attraction de la journée, on a notre petit bateau là-bas, on se fait dauphine. Peut-être c'est les pirates qui l'ont volé. C'est nos histoires. Il se passe pas grand chose quand même dans l'Atlantique, hein, c'est ce qu'on se disait. Hein. Quand il y a un bateau, ben, je veux dire, ça vous fait dans notre journée. Hein. C'est un événement. Nous avons vite fait de psychoter en mer. C'est nos vies. On a fait notre petite enquête. Donc c'est un cargo, il est vide parce qu'on voit son tiffling, il est vachement haut sur l'eau, donc il est à vide. Il n'a pas d'AIS, c'est très étrange. Qu'est-ce qu'il a à cacher? Qu'est-ce qu'il a à se reprocher? Bizarre les bananas. Il va pas nous passer loin. Il s'approche de nous. Moi je dis, c'est un bateau, il était balancé des merdes dans l'océan Atlantique. Là ils sont en train de nous écouter. Et là ils appellent Matignon. Allô Matignon, il y a un bateau. Ils savent ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait? Envoyer un missile. Envoyer un missile. Qu'est-ce que tu nous veux? Pourquoi tu t'approches pas de nous? Pourquoi tu n'as pas d'AIS? Quelles sont tes intentions? What is your intention? J'arrive pas à voir non. La jacouille est inquiète. Mais non, même pas. Je lui ai fait croire que j'avais pas sur le radar. Avec lui, il déconne, c'est pas possible. C'est un bateau fin de tiens, n'empêche, il a réduit sa vitesse, il a exactement la même vitesse que nous là. À côté de Black Lion, je sais pas ce qu'il veut. On a allumé les deux VHF, on s'est dit c'est bizarre. Il est en train de nous regarder ou je sais pas, on va essayer de voir. C'est quand même bizarre, hein, pourquoi il avance plus et pourquoi il s'est mis à la même vitesse que nous là.
Nous, on est entre 5 et 7 nœuds là. Ouais. Il n'y a pas de marchandises. Pas de marchandises, pas d'AIS. C'est dérouté pour nous passer à côté. Et puis là, il a vraiment ralenti à côté de nous tout à l'heure. Ouais, ça fait 10 minutes, il a ralenti sa vitesse et il nous suit en parallèle. Alors, on ne s'y colle pas, hein. On s'y colle pas, mais c'est quand même très bizarre. Soit il s'emmerde un petit peu, ça l'occupe comme nous là, ça nous prend déjà 2 heures d'occupation. Mais c'est très très étrange. Et il nous appelait pas la VHF, moi j'ai pas l'appelé non plus. Hein. C'est bon, il a remis les gaz. Oh. Faut pas nous prendre pour le kiki distouquin, ok? On saura jamais ce qu'il nous voulait celui-là. C'est bon. A les orques! Oh là là, j'ai des frissons partout, mais ça blague, c'est vrai là! Mais elle est où? Mais elle était là! Il y en avait deux! Je tremble de partout! Non, mais c'est pas des blagues là! Mais c'est un truc! Ils sont où? Elle était à côté, mon chat! Elle était juste là! On n'a pas rêvé? Non, non, on n'a pas rêvé, il y avait les orques! Oh là là, mais c'est. Il y avait les orques! Elle était juste à côté de la jupe! Ah, là-bas! Je crois pas. Ah oh, mon cœur. Oh, j'en ai les larmes aux yeux quoi. Oh mais c'est dingue. Putain. Il y en a d'un, je tremble de partout. Oh, on a nos orques. On a eu nos orques, elles sont où? Et pourquoi elles sont parties de suite, mince? Il y en a deux, elles sont par là bébé, elles sont par là. Putain, j'ai reçu le maire. Oh là là, j'ai les jambes qui tremblent. Oh là là, c'est dingue. Oh. On les a vus, bébé. Ouais, on les a vus. Allez, bananes! Sérieux, les bananes! Faut qu'on vous raconte parce que. Non, mais c'était extraordinaire! On a entendu un bruit, on est en train de jouer au backgammon. Non, mais. Et cette fois, c'est vrai, on vous jure, c'est vrai, c'est pas un poisson d'avril. Donc, c'est 4 jours après le poisson d'avril. On vous a fait une blague avec, c'était notre rêve de tout le temps. Et malheureusement, elles ne sont pas restées longtemps. Et on a entendu un bruit bizarre à l'arrière. On a regardé comme ça, devant la jacouille. Parce que, ouais, des bruits bizarres, on a souvent juste à la jupe comme ça. Et d'un seul coup, on s'est rien dit, et d'un seul coup, il y a une masse énorme qui est sortie comme ça en diagonale face à la jupe. Et là, c'était les orques. Il y en avait deux. Elle s'est tournée un peu, on voyait bien le plan. Ouais, il y en avait deux. On s'est levé. La jacouille s'est pété la gueule. Elle a dit prends la caméra, prends la caméra. Et on a vu, c'est notre rêve de 20 ans. Oh là, les orques sont sorties. On est à 600 000 du Brésil. Elles sont sorties derrière. Black Lion. Black Lion. C'était et elles sont parties, mince. Mais elles sont arrivées, mais tout près de. Non, mais elle était Black. Ouais. Elle était là. Et moi, j'étais comme ça. Je me balais dans ma tête, j'ai dit. C'était les orques, les ronds, c'était magnifique. C'était on aura cette image. Ah ouais, je. Ah non, dans ma tête. Ça m'a fait trembler de partout tellement j'avais. Ah là, c'était trop beau. Je sais pas pourquoi elles sont pas restées, elles sont parties, s'il faut, elles étaient devant. On est en train de jouer au backgammon, bordel de cul de canard. Oh là, putain, on a loupé un truc là. Ah non, mais non, on les a vus. Ouais, mais je sais pas s'il faut, elles étaient à côté depuis un petit bout de temps, j'en sais rien. Oh, on aurait entendu parce que le bruit était fort quand même. Oh, c'était génial. Ah, c'était drôle. Ça sent le string, on s'approche du Brésil. Encore 4 jours. Attends, tout à l'heure il m'a dit non, plus de 4 jours. Donc hier il vous a dit, ça fait 5 jours. Bah non. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Bon, là on est encore dans du courant. Alors évidemment, ça souffle 13-14 nœuds devant, mais on a du mal à dépasser les 5 nœuds. Se ah, voilà. Ce courant là, je sais pas. C'est fatigue. Hein. Ouais, je m'attendais pas à ça quand même. Je me souviens pas de tout ce courant avec pirate.com. Et autre chose, depuis je sais pas combien de temps on dort toutes les nuits tranquillement parce qu'il n'y a rien quoi. On a les voiles réglées depuis un petit bout de temps, on bouge plus les voiles. Et tout à l'heure, il y a un cargo là donc qui est passé à côté de nous. Et je me suis dit, tiens, ben, je vais voir comment marche le radar, parce qu'il n'y avait pas d'AIS. Et le radar ne sonnait pas. Et il y a quelques jours de ça, il y avait des grains, et puis le radar ne sonnait pas. Je me suis dit, oh, ben, les grains ne sont pas violents, c'est pour ça, et, il ne veut pas sonner. Et en fait, je l'ai éteint, je l'ai rallumé, il ne sonnait pas, disons. Donc ça fait des jours qu'on dort, s'il faut, on a croisé des cargos, des statues, des containers, des trucs comme ça. Et voilà. On dormait, quoi. Et là, on dormait. Et là, ce soir, je sens qu'il va sonner toute la nuit, il va nous faire chier l'histoire.
Bon, ben moi je prends un petit jus de citron. Ah bah voilà. Voilà. À la tienne, Choupi. À la tienne, Étienne. À la tienne, mon vieux. Ouais, c'est mon premier. C'est... Bon. Tu lui as fait des lasagnes à Choupi ce soir. Ouais, c'est bien, on est content de la prendre. Oui, mais t'es pas content? Je rêve. Ah, c'est bon. Depuis qu'elle est au régime, je ne dis pas comment elle est hargneuse. Hein. C'est comme quelqu'un qui arrête de fumer, là. Qui est un fumeur désagréable. Trois heures du matin. Un grain nous menace sérieusement sur le côté de Black Lion. Un beau petit front noir, bien épais, au ras de l'eau. Oui, j'étais en mode avion, tout à fait. Et donc on est réveillé, on vient de ranger le Geneki, on est juste sous le phoque. Et on attend que ça passe et on mettra le Geneki après. Le Geneker est passé au tribord de Blackie. Cette nuit avec le grain, bah, on a changé les pannes de sens. Donc le phoque est à bas bord, le Geneker est à tribord. C'est un peu nuageux ce matin, un peu chaud, humide. Je crains qu'on ait des grains sur la fin de route. Il nous reste 550 000. Et bah, on va observer, voir si on va aller dehors aujourd'hui quand même. C'est en train de perdre. Dis aux bananas, super. Dis-leur que tu perds. Oh, bananas, I want to come back to the room, engine room. Because I heard the clac-clac. So I go. I ras-le-bol de ce clac-clac. I must to check this one in Brazil. Je n'avais pas l'odeur, hein, mais alors comment il fait, Choupi? Première case sur Blackie, on a entendu un grand coup de rappel dans. Donc j'ai écrit dans le mât il a rebondi, comme ça on s'est dit putain qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et en fait, il y a le pontet qui a cassé. C'était un pontet comme ça. J'ai écrit, ouais. Tu peux pas tout accrocher là-dessus. Si, ben ouais, sur le taquet, normalement c'est assez costaud. Je vais accrocher le tout sur le taquet en attendant. Dinéma, tu veux? Dinéma. Non mais là j'en ai là. Qui se déventre en coup de vague. Allez. Ah. Ça va? C'est suffisant? C'est bien, pas mal. Ouais. Encore un peu, je pense. Matin. Ouais, bon bah voilà quoi. Première casse sur Black Lion. Cassé net. Ah, espadon voilier. Je crois que ça a cassé encore. Sur la canne de la jacouille. Ah, pété net, fait chier. Putain, c'est pas possible, il va falloir qu'on investisse dans des cannes. On aura un peu de fou là, on va investir dans des cannes de pêche parce que. Ça fait que casser. Ah, je l'ai vu sauter. Ben voilà, on prend un poisson perdu. Là, il faut absolument qu'on achète des cannes. Hein. Si vous voulez faire un don, n'hésitez pas. Non, on investit, ça c'est sûr. Ouais, on perd tout à chaque fois, hein. C'est trop gros là. Ouais. Et c'est incroyable, et leur Colgate, ça prend à tous les coups. Ah, ben le Colgate, ça c'est définitivement le leur à Marlin, à celle qui. Ouais. On a scruté l'horizon toute la journée pour voir Trésor. T'as vu, t'as pris. Pas revu. Par contre, l'idiose qui a pété là, comme du verre. Ouais. Alors ça c'est pas top. Hein. Ça me fait faire du souci parce que c'est pas la première fois. Hein. Vous l'avez déjà vu sur les vidéos. Et je me dis, imaginez en haut, ça pète en haut. À l'intérieur, j'ai vérifié toutes les cadènes. J'ai tout vérifié, tous les inox et c'est tout vrai. Quand même parce que, imaginez les sous-barbes, les Geneker, si ça pète. Oh le bordel que ça serait, on serait dans une merde de monstre. Ouais. Donc quand on arrive au Brésil, je monte au bout du mât, je vérifie tout. Non mais si, c'est ouais, presque à la loupe, il faut y arriver. Mais ouais, de toute façon ça casse comme du verre, c'est très très difficile à le savoir. C'est vraiment pas top l'inox.
Non, et du coup, une fois de plus, ça se vérifie. On a entendu un bruit bizarre tous les deux. Mais anormal, vraiment. Ah bah oui, vous voyez, des fois, le générateur il passe comme ça, boum, ça fait un bruit, on sait. Mais là, ça fait boum, c'est un grand coup. Jacou, il est venu me voir vite fait en me disant qu'est-ce qui se passe et tout. Bah, je dis, j'en sais rien, c'est le générateur, il a fait un drôle de oui. Et puis, bientôt 20 jours en mer, il avait jamais fait ce bruit-là. Et après, je suis allé derrière faire mon petit pipi sur la jupe là. Et c'est là que j'ai vu que, que ça avait cassé. Quoi. Comme quoi, à chaque fois qu'il y a un bruit qui n'est pas normal, c'est pas normal. Et la dernière fois, c'était pareil. Ouais, c'était pareil, alors on a dit c'est quoi tout ça. À chaque fois qu'il y a un bruit qui n'est pas normal, il ne faut pas se dire bah, je ne sais pas, il faut chercher parce que. Ça vient forcément de quelque chose. Ça vient de quelque chose. Voilà. Bon, ben. Bah, je vais remercier la vague qui a fait renverser le. Ouais, j'ai débordé un peu. Le rhum. À plus tard, les bananes. À demain. Banane. Oui, toi, banane. Quelle heure est-il? Il est 21h? Ben non, il est 7h, on a enlevé 2h. Il est 19h. Le vent va se lever, je pense, et pour la première fois depuis cette année, nous allons faire une manœuvre de nuit. Nous allons. Si, on avait déjà fait, mais là, on va remettre la GV. On va se mettre 3 quarts arrière avec le foc et la GV, et on va ranger le générateur, ok? Voilà. On y va. Combien de temps? 10 minutes à peu près. 10 minutes. 10 minutes pour faire la manœuvre. On a les 3 quarts arrière. On va redescendre un petit peu, mais pour la nuit, ça va être raisonnable. Je suis fière de nous. Ouais, moi aussi, c'est vrai là. On montre. Ouais, ouais. Voilà. Allez, on éteint. Allez bien cette lumière de pont. Hein. Attendez. Hop, on éteint. Chaque jour, ah, non, je passe des nouilles. Que des nouilles. Ah, ouais, je crois que. Ah, ouais, là, tu voulais faire un style. Un style, genre un trucage cinématographique. Vous avez vu comme il est fatigué, je l'ai réveillé cette nuit. Non, mais cette nuit, je m'endors bien pour cette fois. Ah, et je dis soyez mauvais, tu vois l'aiguille. Mais c'est moi, tu sais pas dire parce que tu t'es trompé. Je dis soyez mauvais, tu ferais bien l'aiguille, tu regardes qu'elle passe pas à tribord. Parce que ce sera pas bon, ça veut dire qu'on va en parler si elle passe à tribord. Et je me suis endormi, j'avais confiance. Il dormait depuis pas mal de temps parce que j'étais en train de. Moi j'allais dire, je dormais depuis 10 minutes. Ah non, tu dormais. Elle me réveille au bout de 10 minutes, on va dire. Non, c'est pas vrai. Elle me réveille au bout de 10 minutes et elle me dit bébé, réveille-toi, il y a des billes jaunes qui bougent. Oui, c'est normal, ça bouge. Mais elle n'était pas passée de l'autre côté. Si. Non. Ah si. Ah si, quand je t'ai. Allez, fais tes flambis là. Alors, je vais vous faire des flambis au café, ça va aller super vite. C'est juste parce que ça bouge et puis Choupi, je suis obligée de lui faire des desserts. Même si moi je fais attention à ma ligne. Ah ouais, déjà bonjour parce que. Mais elle m'a foutu ses doigts sur le. Oh. C'est Dieu. Ça souffle 15-20 nœuds, la mer est agitée. Et on arrive dans 3 jours normalement. Enfin, 3 jours. Bon, dans 6 jours là, qu'à dire. J'y crois plus. Bah alors, on va faire des flambis au café. Et navigation sous grain. Oui. Alors, tu peux leur continuer à leur parler si tu veux. Ouais. Hein? Donc, flambi au café, j'ai 600 ml de lait que je mets dans ma casserole. Ça bouge, hein, les cocos. Hein? Alors, c'est un petit dessert rapide. Hein? Ça, ensuite, on va mettre un sachet d'agar-agar. Vous connaissez l'agar-agar? Ouais. Alors, on met le petit sachet d'agar-agar. Ensuite, on va mettre 60 grammes de sucre. Vous connaissez le sucre? Ouais. Okay. Vous connaissez Jacouille. Vous connaissez Jacouille. Et on va mettre deux cuillères à café. Navigation sur grain. Deux cuillères à café de café. Je reviens. Ah, j'en mets trois, j'en mets trois. Je reviens. Allez, dépêche-toi. Voilà, navigation sur grain. Devant nous. Il est beau, c'est pas les grains de l'Indien, mais ça commence à gonfler un peu.
rappelle des souvenirs, hein. Attends, j'arrive. Oh, la pressée celle-là. Ça sonne. Attends que ça termine de sonner quand même. Ah ouais. Pas vous emmerder la jacouille. Ah c'est bon, ça s'est mis en veille. Hop. Non voilà. Ah c'est pas grave, j'ai commencé à faire bouillir. Hein. J'ai juste mis. Vous avez vu tout ce qu'on a mis. J'ai comment. Il faut faire bouillir 1 minute 30. C'est compris. C'est. Il faut pas trop et pas. Voilà. Et ça c'est une recette. Que... Mais arrête, tu vas leur donner le tournis. Hein, les bananes. Voilà, c'est une recette quoi? Donc c'est une recette que vous pouvez changer. Vous pouvez mettre au chocolat, ouais. La vanille, enfin plein de trucs. Ou alors vous allez dans le rayon yaourt à Carrefour et vous achetez des flambis. Alors, ça, c'est une... Bon, pendant ce temps, on va mettre... Alors normalement, il faut le faire le caramel, mais comme j'en ai, je vais l'utiliser. Bah oui. Vous mettez un normalement, petit fond... Normalement, il faut faire. Bah, oui. Il y a des fois, il ne faut pas s'emmerder. Hein. Bah voilà, on va mettre un petit fond de caramel au fond. Hein, Choupi, t'aimes bien toi, hein? Eh ben Choupi. Comme ceci. T'es pas, yes. T'as pas dit comme non, ceci. Je et yes. Pas. Yes. N'empêche, c'est pas toi qui vas maigrir. Hein. Tu veux le caramel? Ça non. Coule. Dépêche-toi, ça coule. Non, je non. Allez. Après. Ok. Ben on continue à faire bouillir. Il faut que ça bouille. Ok. Ça bouille. Ça. Ça bouille. Comment on sait quand c'est un bouille? Ça, quand ça bouille, ça fait des boules. Il faut faire une minute. On a fait déjà 30 secondes. Il faut faire encore une minute. Une minute quoi? Bah, 1 minute 30. De bouillon, bouillon. Faut que ça bouille 1 minute 30. Faut le dire. Faut être précise. Je suis précise. Je vais transvaser là-dedans parce que sinon je sens. Je vais transvaser. Je sens que je vais faire des conneries sinon. Ouais. Là. Tu vas bien transvaser. Maintenant, je mets. Vous avez vu mes petits pots comme ils sont bien? Oui. Oh! Et tu transvases? Je transvase comme. Non, je dirais pas. Comme ceci. Tout doucement. Yes! Choupi, il aura son petit dessert pour ce midi. Ouais, bah il va pas être frais. Mais si, on va le mettre un peu à l'air. Ouais, j'en ai fait beaucoup. Bah, c'est ce que je me disais, pourquoi il n'y en a que 4? Bah non. Bah ça, mets-le dans un autre pot. Bah évidemment, je vais pas le jeter. Oh! Je vais pas être con alors. Non, mais je rêve. On va rêver, hein, les bananes. On va remettre un peu de caramel quand même. Bon, ça après, tu mets où? Eh ben après, je vais vous dire quelque chose. Voilà. Non, je ne veux pas le dire quand même. Ah, moi, je le dis. Ben après, on va attendre que ça refroidisse et puis on mettra au frais. Tu laisses ici? Ouais, on va le laisser là. Je ne sais pas si ça va pas se renverser avec. Ça bouge un peu. On va mettre le couvercle, j'attends. Et là, il n'y a pas de couvercle? Ben, on va mettre sur un truc pour protéger. Pourquoi j'ai tout ça? Mais oh, faut pas le jeter ça. Mais non, tu vas le voir. Non, faut le laisser comme ça. On va voir si ça a du durcissement là-dedans. Oh putain, j'ai failli faire une connerie. Donc là, je mets des couvercles. Je pense que c'est pas bon parce que c'est chaud. Il y a la condensation, après ça... Oh. Je t'en pose des questions. Hein? Je te dis. Ok. Bon alors. Et voilà mon Choupi. Petit flan au café. Hein? Donc on est voile en ciseaux ce matin. Grand voile et phoque. Là, ça trouve 15-17 nœuds devant. On surfe à 7 nœuds. La mer, c'est un peu plus linéaire qu'au tout début de la matinée. Je pousse bien un petit peu Black Lion en mettant le Genec. Les bananes, normalement, devraient arriver dans 2 jours et demi. 2 jours et demi, il faut qu'on tienne 140 000 par jour. Ça devrait être faisable parce que le vent va se lever un petit peu plus. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'énergie à bord de Black Lion. Énergie à bord de Black Lion. Qu'est-ce que c'est? L'énergie à bord de Black Lion. Donc. Tu en as déjà parlé? Salut la sexy. Ciao. Non. En fait, pendant toutes ces traversées, il y a un appareil qui aura pu étalonner la consommation de Black Lion. Donc, quand je parle de consommation, je parle des iPads allumés en permanence, la VHF, la Yes, Autopilot, le frigo. Les lumières le soir, quoi, les servitudes en général. Et en fait, c'est l'hydrogénérateur, il aura tenu quasiment. Voilà, je vous montre. Il est là. Le wet and see. Il a réussi à étalonner quasiment toute la traversée. Et à tous les deux jours, j'ai quand même mis une heure, deux heures, tous les deux jours. Pardon, la génératrice quand même pour booster un peu les batteries parce que ça suffit juste pour étalonner la consommation.
Donc on chargeait pas. Les panneaux solaires ont été cachés quasiment tout le temps, avec le soleil dans le dos et à l'avant, comme on les voit le portant. On a chargé quoi, 4-5 heures de soleil par jour. Hein, c'est tout. Hein. Donc les panneaux solaires n'ont pas suffi. Mais vraiment, l'hydrogénérateur, il a été parfait. Hein. C'est le truc en océanique. Après, voilà, si vous êtes à quelques endroits comme les Antilles ou un truc comme ça, je sais pas si ça vaut le coup d'acheter un hydrogénérateur parce qu'il faut naviguer pour que ça. Mais en océanique, c'est vachement bien, quoi. Ça permet de faire ce qu'on veut, réellement, en plus. Hein. On se prive pas la journée. Hein. Tu me dis, Choupi, est-ce que je peux brancher mon ordinateur? Et moi, je te dis oui, puis le soir, à 19h, il est encore branché. Oh non, ça, c'est pas vrai! Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit le livre que Winborg nous a prêté, il est vachement bien. Henri de Montfred. Je l'ai bientôt terminé, il est trop bien. Ouais, vous connaissez Henri de Montfred? C'est génial. J'ai pas encore lu, mais je sais que c'est génial. Les bananes, plus que 2 jours et demi normalement. Il reste 400 000. Pas demain, pas après-demain, après-demain. À 3 nuits. 3 nuits, il pourra arriver. Ouais. C'est arrivé 2 jours. Hein. Donc il a fait arriver 2 jours et on sait pas à quelle sauce on sera à manger là-bas. On verra ça. Avoir Et là on est sous Jennaker tout seul parce que la mer n'est pas. Elle est encore croisée, il y a encore du courant en contre. C'est rien à voir avec la traversée qu'on a eue il y a 8 ans en arrière. C'est pas le souvenir qu'on avait. Là, la houle est courte, hachée et ça arrive comme ça, de droite, de derrière, de gauche. Heureusement que Black Lion est quand même super confortable parce que ça serait pas terrible sinon. Hein, c'est vrai. Hein. Ouais, ça serait pas terrible. Ça serait pas terrible. Voilà, là, j'ai envie de dire à Maya Jacouille, sois belle et tais-toi. Tais-toi. Bah quoi? Tais-toi. Bah, vu que t'es belle, on peut dire sois moche ou voilà. Bah, toi, ça vaut et tais-toi aussi. Bah, si tu veux, parce que je le vaux bien. Bon, allez, c'est sûrement le 20e coucher de soleil. Hein, je pense, depuis le c'est départ. Pas les, c'est quand même pas les plus beaux dans cet océan. Non, non, non. Et puis, ouais. Il se passe quand même, hormis les orques, un cargo, voilà, il se passe pas grand chose. Ouais, mais enfin, les orques, ça a tout rattrapé quand même. Ça a tout rattrapé, ouais, mais quand même, il se passe pas grand chose quand même sur. Qui aurait dit ça? Les orques. Les orques, oui, c'est ça. Qui aurait dit, franchement. C'est vrai que. Ouais, ça rattrape. Ça rattrape. Mais elle est un peu longue cette traversée, hein. On vous avoue que on la trouve un peu longue. C'est qu'en fait, Choupi s'ennuie avec ça. Bah, ouais, voilà, il faudrait, je sais pas, une fille au père pour regarder. Parce que sur le radar il affichait un beau trait comme ça sur la continuité et c'est jamais très très bon. C'est pas été violent, c'est monté tout doucement mais ça reste 30 nœuds continu. Et je suis bien content d'avoir pris de riz hier soir parce que ça a monté une nuit sous grave en fait sur les grilles. J'avais vu qu'il y avait de la pluie. Donc là, je vais attendre que ça se calme, mais on est déjà réduit, donc on ne s'est pas fait surprendre du tout pour ce gras. Donc c'est monté jusqu'à 32,3 nœuds, et là c'est descendu à 25-26 nœuds, et on est portant. Voilà, ça aussi c'est une règle que je fais, c'est que je ne prends jamais les grains de face, j'en mets portant, on est déjà portant. Là c'est en train de diminuer. Ce matin, Black Lion Surf, deux riz dans la GV. Jennaker, il faut que le 20 nœuds. On surfe à 8, 10 nœuds, 11 nœuds de temps en temps. Il faut absolument qu'on arrive avant la nuit, absolument. Bon, et je vais tenir ma vitesse, moi je vais prendre de l'avance, normalement c'est bon. Avec deux riz le phoque, on tient 6 nœuds, 6 nœuds 5. Mais je prends de l'avance avec le Jennaker, je le pousse en journée.
et la nuit je remettrai le phoque pour être sûr qu'on arrivera deux jours. Mais normalement on n'arrive pas demain, on arrive après demain. Et on va traverser l'Atlantique. Les bananes. Travaux manuels. Allez, on va améliorer, vous savez qu'on a fait leur Colgate. On n'arrête pas de choper des espadons et ça casse tout ça, il faut qu'on investisse dans le câble. Ça fonctionne super bien. Je vais améliorer mon leur Colgate. Ouais. Je vais faire une tête en résine avec de la résine, résine époxy. On a besoin d'une coupelle menstruelle parce qu'elle ne convient pas à la jacouille. Est-ce que vous savez ce que c'est? Mesdames, c'est super bien pour le bateau. Hein. J'en profite pour le dire. Ben ça, on met ça dans la foufouille et vous récupérez vos petits trucs dedans. C'est trop mignon. Non, mais c'est vachement bien. Donc, je vais préparer ma résine. Je vais couler dedans. Alors. Non, j'ai pas de démoulant, en fait j'en ai mais j'ai la flemme. On avait acheté ça, on l'utilise pas. C'est de la graisse de cuisine. Donc c'est du démoulant. Voilà, comme ça je mets la résine dedans. Ok, je prépare ma résine, donc 1 pour 5, vous savez. Pas partout, hein. Putain, ça bouge. Oh putain, 1. Ça va pas faire 5. Tu m'en mets sur la table. 5. Attention, il faudrait un chiffre. Donc 1 de durcisseur. Comme ceci. Vous avez débordé pour 5. Non. Correctement, comme ceci. Alors il faut pas que ça boue, hein. Faut pas que ça boue. Faut que ça reste juste que ça frémisse. Que ça frémisse comme ceci. Yes. Vous savez qui c'est que j'imite. Et un feuille de sucre en poudre. Et vous savez qui c'est qu'elle imite. Voilà. Donc c'est pas la cristalline, l'idéal ça serait d'avoir de la résine cristalline, mais on va faire avec. Ça devrait marcher aussi, non? Ouais, ça devrait marcher. T'en as fait assez? Oui, je pense que oui. Ça me paraît léger, moi. Il y en a assez, vous inquiétez pas. Donc on verse de l'enroule, attention. Alors voilà. La jacouille. Hop. Chaud. On va introduire des petits yeux dedans. Ça s'achète en... En mercerie. Est-ce que ça va tenir ça? Comme je vais mettre le. Ça va être comme ça et comme je vais mettre le. En fait, il faut attendre que ça sèche un peu et. Et on va mettre ça dedans. Et t'as pas mis les paillettes? Ah bah, c'est pas grave. Voilà, on va attendre que ça chasse. Banane! Il est trop chouette! Regardez, on a démoulé, ça se démoulait tout facilement là. C'est trop bien! On met le dedans. Hop! Alors on peut aussi rajouter des colorants et puis on va acheter des paillettes, on prend des paillettes. C'est j'aime pour la pipouille. Bonjour les bananas. Ah bah non, bonsoir. Bonsoir. On arrive bientôt, hein. Mais après demain, hein capitaine. Après demain, ça c'est notre avant-dernière nuit. De toute manière, heureusement parce qu'il n'y a plus que citron pour le rhum. Ouais, donc il est temps qu'on arrive. Donc on a confirmation, a priori on a le droit à 2-3 jours à le temps de faire un avitaillement au Brésil, on va profiter. On va s'arrêter et après on verra ce qui se passera, on continuera notre chemin. Ce soir on va vous parler des grains. Oui, parce qu'on s'en est pris un cette année. Voilà, la jacouille elle a un grain. Toi aussi d'ailleurs. Ouais, on a tous les deux grains. Et on s'est pris un grain et donc comment prévenir des grains? Alors maintenant, avant toute chose, quand vous prenez la météo sur, en océanique, hein, sur l'iridium, vous pouvez avoir des précipitations. Donc j'avais vu cette nuit-là, j'avais vu qu'ils annonçaient des précipitations. Donc en mer, c'est pas « Ah tiens, il pleut ». Non, en mer, ça n'existe pas ça. Quand il pleut, il y a un coup de vent avant, ça peut être du 15 nœuds, du 20 nœuds, du 25 nœuds, du 30 nœuds comme hier. Donc du coup, j'étais un peu fatigué et d'après mes grives, je me suis dit « on va prendre deux riz pour la nuit ». Et ça n'a pas loupé. Je te félicite. Ça n'a pas loupé. L'état aussi du ciel le soir avant de nous coucher, tu vois, ce soir, tu vois, petite banane, j'ai l'impression que le ciel se couvre. Donc on risque de faire la même chose. Et puis le radar. Le radar, c'est génial. Et en plus, là, sur le radar, je savais que ça serait. Ça n'a pas été violent, hein, c'est monté à plus de 30 nœuds progressivement. Mais quand vous voyez sur le radar une barre comme ça, la tache de l'écho en longitude. Pas bon. C'est pas bon du tout. Elle était pas très foncée,
Mais du coup, ça m'est arrivé et je l'ai vu, je me suis dit, oh, je vais quand même aller voir. Et ben voilà, ça a quand même bien soufflé. Il n'y a pas eu trop de pluie, par contre. Et non, il n'y a pas eu trop de pluie. Mais quand c'est noir aussi, de visu, en pleine nuit, ça se voit. Hein. Quand c'est noir et bas, là, c'est pareil. C'est pas, bon, pas bon du tout. Et autre chose encore, là, nous avons analysé soutenu 15-20 nœuds constamment. Si le vent s'arrête d'un seul coup, qu'il fait chaud, humide, pas bon ici. Pas bon du tout. C'est bon, j'ai mon assistante à côté. Pas bon. Mais là, ce qu'il y a de bien, c'est que le grain était dans le même sens. Ouais, en général, c'est assez rare d'avoir deux faces. Hein. Quand on a vent portant, ça arrive derrière. Et puis voilà. Donc voilà, j'étais bien content d'avoir réduit la veille parce que des fois, c'est trop tard. Hein. On s'est déjà fait surprendre plusieurs fois. Maintenant, moins qu'avant. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Parce que quand vous avez plus de 30 nœuds de vent et qu'il faut prendre un riz, ouais, eh ben, c'est la merde. Hein. Quand il faut se réveiller, on a la tête dans le cul. Pas bon du tout. Pas bon. Ah bon. Bon bah voilà les bananes, c'est tout ce que je voulais dire. Bon bah. Vous allez prendre un bon apéro, hein? Ouais, et on monte. Pas bon. Les distilleries. Pas bon. Bon. Pas bon. Bon. Bon apéro les bananes. Bisous. Allez, demain. Bonne nuit. Bonjour les bananes, bien dormi. Bon, le radar fonctionne bien, hein. Il a fait que sonner cette nuit. Cargo, ça y est, on est sur les routes des cargos, on les a croisés en pagaille et grain. Et là, juste derrière, il y en a un beau qui arrive. J'avais repris un riz ce matin, j'ai remis de la toile. Et du coup, je viens de la réduire parce que je vous ai expliqué l'autre jour. C'est linéaire, pas trop, mais quand même. Et c'est bas. C'est bas et c'est un peu noir. C'est la mer noire. Donc on va attendre que ça passe et on prendra après le riz. On va voir s'il y a du vent dedans. Bonjour les bananes. Le grain. Le grain est juste derrière nous. Tais-toi. Bonjour les bananes. Attention, qui va nous donner. Bob 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 bob. Vous voyez le petit truc que je vous ai dit l'autre jour? Ça, pas bon. Bien rouge. Alors quand c'est rouge, c'est que c'est puissant à l'intérieur. Vous voyez, ça descend rouge, orange, jaune. Donc il pleut beaucoup à l'intérieur et ça nous arrive droit dessus derrière. Droit dessus derrière. Ah bon. Ah ça serait bien, on est quasiment vide en eau là, j'ai pas mis le dessal, je vais mettre le dessal aujourd'hui. Allez, ça fait des mois qu'il n'y a pas plu. 24 heures avant d'arriver, vous allez voir, il va pleuvoir. Ça va être une journée de merde aujourd'hui, je le sens les bananes. C'est grain sur grain. On a remis le Jenaker, ça avançait plus, il y avait un grain qui espérait tout, on avait un autre qui arrivait derrière. Et du coup on a retiré le Jenaker et on a bien fait hein, parce que c'est monté à 27 nœuds. Ça va 7 jours pour rencontrer les choses. Tout ça quand c'est de nuit c'est la merde. Hein. Vous voyez, il y a un grain qui passe, il y en a un autre derrière, ça va être que ça toute la journée. Il y a peu de chance. Alors la journée pas ce soir. Je viens de mettre du col transparent là sur mon traceur parce que y a les gouttes de pluie, ça c'est pas normal. Hein. Les gouttes de pluie, elles me dérèglent toute ma configuration, elles me bougent au pilote et tout le reste. Donc j'étais obligé de passer à cette technique là. Dormir en jongle entre le phoque et le Jenaker.
parce que le vent il tombe d'un seul coup une fois que le grain est passé et puis l'autre il arrive derrière. Donc l'autre c'est devant là-bas. Il est passé. Et tout au fond là-bas il y en a un bien épais. Bah, il y a un peu le ciel bleu, des fois c'est trompeur, on se dit ah bah c'est, ça va se calmer. Mais des fois non. Donc bah, on est bien réduit. Hein. De riz, heureusement quoi. Mais ça fait chier, c'est démoralisant, bah, on fait une traversée de 22, 23 jours là. Et on est constant dans la vitesse et à 24 heures d'arrivée, putain c'est la merde. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu. Je vais faire l'eau de... qui tombe de la voile, il y a énormément, il y a tombé à côté au lieu de tomber dans le récupérateur d'eau. Donc. Ah, il n'y avait rien du tout derrière nous. Il s'est formé d'un seul coup, on a vite rangé le Jenneker là avec ma jacouille. En 2 minutes on est passé de ça à ça. Voilà. C'est Zobie, notre mouche. Ça fait 22 jours qu'elle est à bord de Black Lion. Et là, du coup, il a décidé de l'apprivoiser. Et ça y est, elle commence à fatiguer là. Elle commence à pas être bien. Non. Bah, c'est une mouche de Namibie. Hein. Ouais, regarde. Elle est pas en forme. Elle est pas en forme. Elle va nous claquer entre les doigts. Regarde. T'as vu, elle vient nous voir de suite. Elle a besoin d'amour encore. Elle a besoin d'amour, ouais. Une mouche qui a besoin d'amour. Putain, t'es à 24 heures d'arrivée, de changer de Allez. Pays, en Amérique du Sud. Tiens le coup, mouche. Ne meurs pas. Ne meurs pas, Zobie. Sur les deux leurres que... Sur les deux leurres que t'as fait avec les têtes, il y a deux maïmaï sur les deux lignes. Oh là là, ils vont s'en mêler les deux en même temps, là. Attends, faut essayer de remonter au Oh, il est loin. Oh là là, il y en a deux, là. Il est gros. Attention ton pied. Yeah. Oh, il est gros, hein. Yes. Ouais. Wouhou. Oh là, il est gros. Ouh, il est gros. Ouh, il est gros. Attention, je pique. Tiens la gaffe. Briqueillère. Reviens. Excellent. Ouais, je crois qu'il est presque de la même taille. Hein? Ouais. Sur le paquet aussi comme à l'heure. Trop content, c'est le coucher de soleil. Attends mon cœur. Et regardez, 22 jours, on chope rien. Je fabrique des leurres avec ma jacouille. Les deux. Oh, trop bien. Deux maïmaï. Leur colquette et de la résine et des yeux. C'est génial. Ah, je suis trop content, je te pose le brevet. Ouh, putain, on a de la bouffe. Hein. Oh, allez, je vous montre. Hein. Je vous montre. Il y a de la bouffe. Ah, il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a. Hein? Ouais, je te le mets dedans. Ouais, mets dedans. Eh, hey, les bananes. L'auto, on a gagné l'auto, comme l'entend les chagouilles. Bah, 25 repas à deux. 25 repas à deux. Waouh. Ouais, on a de quoi faire. Hein? Nice. Maïmaï, son odeur, coucher de soleil, les dauphins. Alors là, on s'est bien beauté. On s'est bien beauté. Hein. Et là, on a pris un résisté. Ouais, parce que là, c'est bien couvert. Ouais. Hein. Ça s'est couvert là. Ouais. C'est trop bien. Et les lèvres colquettes. Et là. Faut déposer le creux de mon cœur. Allez, santé, Balane. Demain, on fait un bilan. On a encore toute la journée de demain pour arriver demain soir. Là, on fait tout pour faire du signal moyenne. J'avais un riz, mais j'ai pris deux quand même parce que c'est bien noir. Hein. Ça secoue encore méchamment. Voilà, petit coucher de soleil. On est à 140 000 du Brésil, 140 000 de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire moins de 200 km. En voiture, sur l'autoroute, en 1h30, 2h, on est au Brésil. Nous, on arrive demain soir. C'est
faut aimer ça, hein. Faut aimer ça. Allez, une nuit, une journée, et on aura traversé notre cinquième océan.